Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la Cooldown TV, de retour sur l'Early Access de Ravenswatch, le dernier roguelike de Pastag Game, les créateurs de Curse of the Dead God. Cette fois-ci, on avait envie de vous proposer un run à 4 joueurs, et pour ce faire, nous avons un invité spécial en plus des membres de la Cooldown, c'est Sevolund, que vous pourrez retrouver également sur sa chaîne YouTube. Tout de suite, on rejoint les Zouaves et on lance notre première run. Hop, ah bon? Bien le bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme upgrade en premier? La petite quête? Posture de champ. Ouais, je peux affaiblir les ennemis tout de suite. Non, on va prendre la petite quête. Un petit but de feu. Oh, j'ai un truc qui m'a l'air suicidaire. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air suicidaire. Je crois que je vais essayer. Visiblement, on pourrait avoir le dash même en mode tourelle, mais avec plus de 50% délai de récupération. Ah oui, oh, ça c'est. Alors, c'est bien, mais t'as intérêt à bien user le dash. 50% de délai. Ouais, voilà. Ouais, non, je vais mourir en fait. Donc, c'est. Faut bien timer, hein. Sachant que là, vu qu'on est 4, théoriquement, le niveau de jeu est augmenté. Oui, alors vous allez voir, moi, dans les versions que j'ai testées... Le niveau des ennemis, parce que moi, mon niveau de jeu, attention. C'est vraiment... l'augmentation, elle est pas là pour rigoler, quoi. Genre, le jeu est vraiment plus dur à 4. C'est quoi ce truc-là? Aïe. Au départ. Au sol, c'est... Ah, je crois que ta bombe, ça stun tout le monde, en fait, pas que toi. Oui. Ah, super. Moi, je prends les golds hein, pendant que vous vous battez, vous inquiétez pas. Bah, prenez les dégâts, surtout, moi, je... Hein. Ouais, vas-y, moi, je regarde mes skills, parce que je m'en souviens plus. Il va me falloir de quoi vous healer par contre, parce que pour l'instant je fais juste bouger une bouboule quoi. Bon, qui prend le lead pour dire où on va? Ouais, bah, qui prend, ouais, voilà. Venez par là, venez au sud. Allez, on suit. Voilà. Alors, parce que. Oui, d'accord, mais qui es-tu? Scarlett. Ok. Parce que au nord, en fait, on a que le point de heal, donc il y a peu d'intérêt à s'y diriger directement. Ça, autant c'est de profiter. Autre chose à côté. Oui, mais. Faut casser ces trucs là, les enfants. Ouais. Quel genre? Casse-les. Je les ai pas vus, je les ai pas vus. Ah, y a des choses que tu casses, toi, mais c'est pas ça. C'est vrai. Ah, t'as déjà bien cerné le personnage, hein. Genre. Ah non, je suis dans la haut. Ok, tout va bien. Appelez le petit point de TP et les sous derrière. Les gros trucs rouges, faut pas rester dedans. On va vers l'œil, ça va nous déclencher le maximum de map. D'informations. Bien, Amelin, quand tu veux, tu peux balancer tes rats avec. Ça, je sais plus ce que c'est la compétence spéciale, mais comme ça donnera une idée. Oh putain, je suis en train de manger. J'ai déjà joué Amelin du coup. Mais... Ah, pardon. Non, bien. La transforme bah, voilà. Au pire moment. Au milieu de tout le monde. Ah, tu meurs. Merde. Comment tu t'es donné, Yatik? Bah ouais, c'est pour qu'on l'avoir dodge. Mais pas d'accord. Du tout. Mais non. Pourquoi on est plus ensemble en fait? Pourquoi t'as la plume? Quoi? Non, attendez, Rick. Y'a pas de plume? Attends, ah ouais, les plumes c'est pour tout le monde. Oui, les plumes elles sont communes. Comment ça c'est pour tout le monde? On ne claque pas de plumes, l'œil, je disais, pardon. Allons vers l'œil. Mais comment c'est... Dans ce cas-là, vous faites comment? Y'a un endroit où vous pouvez me riposter? Non, on peut venir à ton sol en fait, et ça je savais pas cette information, désolé. Ouais, je l'ai lu, mais n'ayant pas joué en coop, pas de problème, pas de problème. Bah pareil, moi je l'ai pas lu, et j'ai pas joué en coop, alors comment... Ah, voilà. Alors, lire pour quoi faire. Petit upgrade. Oh là 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 là, oui. Bordel de merde, j'ai un truc légendaire, direct. Pouvoir appliquer le statut juste sur les ennemis touchés et à 30% de portée. T'as directement un truc légendaire? Ça va chier les bulles carrées. Ah oui. Vous voulez pas qu'on prenne le coffre? L'œil et le coffre. L'œil c'est bon, c'est déjà pris. Et du coup le coffre. Et après le bouquin. Bah, on est à côté du bouquin, donc le bouquin plus le coffre. Du bouquin, c'est, pour ça. C'est pour ça que je vous ai dit ça, c'est que je vous ai vu vous orienter vers le. En vrai, c'est. Pour moi, je suis un support de toute façon, je reste derrière et je connais rien, c'est pas faut grave. Tuer tout le monde, et c'est pas forcément easy, pour rappel. De tuer tout le monde dans le bon timing. Si, moi j'avais pas eu trop de soucis avec. Ah, tu vas voir à 4, c'est pas la même. Ah ouais, y'a du peuple. Ouais, il y a du peuple. Si on peut cibler les trucs qui crachent là, les gros trucs qui crachent. Les arrêter définitivement, ça serait parfait. Ouais, c'est bien aussi. Ah. On a fait attention. Voilà. Hop, on esquive ça. Bon, ça va, on s'en tire. Voilà.
Alors, je dirais pas que je comprends tout ce qui se passe, mais on s'en tire. 75 XP, le ouais, j'arrive pas à comprendre vraiment à quel point c'est bien. Une amélioration, une amélioration. Bah ouais, j'ai légendaire, renfort. Je vais là, je t'en prie. Le cliff qui avait passé en épique directement. Ce random qui m'a mis bien. Ouais, j'avoue. Ouais, du coup, 75 XP, mais c'est de la merde. Du coup, coffre. Du coup, fontaine, ouais, non, peut-être c'est pas loin. Tout le monde, mais c'est pas... Plus d'HP non, ça le fait encore. On fait coffre. Oh, large. Large, large, large. Large. Comment on y va, ce coffre? Faut qu'on profite du loup-garou, là. Ouais, ouais. Faire le tabasser un peu. Ouais, histoire que je fasse le mur avec le wolf. Toc. Le wolf, il est bien. C'est vraiment pas le personnage le plus simple à jouer, oh, je trouve. Putain, quand même. Je suis en train de prendre cher. Ouais. Quoique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça se discute, mais... Une fois qu'il est... t'as ce qu'il faut, quoi. Mais, ouais. Bah, au début, faut vraiment... Oh, la transfo en plein milieu de la zone. C'est sérieux, ça? Hop. Eh, c'est marrant à plusieurs en tant que Mélusine parce que je suis pas dans les AOE en fait donc c'est bon. Ouais, t'as pas esquivé tout le temps, t'as vu, c'est vachement mieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Commun. Ah, okay. Bah, pareil, je crois que j'ai fait la même chose en vrai. C'est j'ai eu une hésitation, mais bah, j'ai vu deux communs rares, je me suis dit bon, rare. Moi j'ai que du commun, moi donc. En vrai, faudrait aller en haut à gauche, mais est-ce que quelqu'un a vraiment besoin de heal? Ouais, d'accord, on va aller au heal. Le commun. Ouais, j'avais pas vu les PV de Nomade. Aïe, aïe, aïe. Ah, pas moi, je pense. Moi, le 1 c'était augmenter l'armure quoi, avec les... par rapport au PV manquant. Je suis Hamelin, j'en bats les couilles quoi. Oui, bah ça arrive, voilà, il y a des cas où. Et puis il y a des paires qui sont vraiment faits pour le jeu solo, il y a des paires qui sont vraiment plus intéressantes pour le jeu solo. Ouais, tank, quoi, c'est... ouais. S'il y avait un paire qui avait de mourir, ce serait pas mal, mais. Comment on descend Ah oui, il y a l'escalier. Là. Avec les escaliers. En fait, c'est des dalles souvent de pierre à différentes hauteurs sur une pente. Tu vois. Oh, je joue avec le feu, sa mère. Ah bah tiens. Et pour Beowulf, c'est drôle de jouer avec le feu. Ah, t'as tellement joué avec le feu que. Oh, oui, ça va plus vite sur un appuyeur. Oui. C'est bon à savoir. Du coup, ça rend le jeu à la fois dans un sens plus simple parce ah, que. C'était juste pour moi. Ah non, c'est bon, ça y est, non, tout non. Le monde. Oui, c'est. J'ai eu peur. Tout le monde peut cliquer dessus. Et moi, j'ai pas usé la mienne. Du coup, elle y sera toujours si j'ai besoin. Ah, d'accord, je pensais que c'était automatique. Il y en a un qui le prend, ça fonctionne sur non, tout le monde. Non, c'est par personne. Du coup, on peut choisir de ne pas consommer la nôtre, par exemple. Ah, d'accord, non, mais moi je consomme. Oh, un pouvoir légendaire. Eh ben, vas-y. Bon, alors, je suis un gros consommateur. Hein. Bah non, légendaire. Hein. J'avais commun, voilà. C'est... J'ai un épique aussi. plutôt vers le sud, on n'a pas beaucoup d'intérêt à aller à la fontaine. Enfin, à part si des gens ont envie de consommer leur gold gratos. Je sais pas, fontaine. J'ai vu un mob foncé en fait. J'ai pas, j'avoue que j'ai pas. On clean la fontaine. Je alors, sais pas, allez. On va essayer. Voilà. On verra bien. Bah, la fontaine, faut aimer sans me remettre au hasard. Moi, je suis un joueur qui aime pas trop ça. Ouais. Donc, j'aime bien. Parce que ah, parfois, j'ai tapé des trucs, je peux aller sur la fontaine. Ah, pardon, excuse-moi. Bon alors, vu que je joue un bon support distance, j'ai fait un truc intelligent, j'ai pris une compétence de cac. Voilà, ça c'est parfait. Fontaine, fontaine. Ah, j'utilise pas mes sangles, non, moi je vous le dis. Ouais, ça, ouais. Le pouvoir, attends, c'est quoi la différence entre le pouvoir et le spécial? Le pouvoir, c'est le truc sur RT, sur R2. Et Y, c'est le spécial. Je sais pas sur quoi tu joues. Alors, de gauche à droite, on va dire. C'est écrit, quand tu choisis, c'est écrit. La troisième. C'est écrit. Sinon, si effectivement tu laisses ton curseur ou ta souris sur le truc, il te dit à quelle touche ça correspond. Le pouvoir, c'est la troisième skill en bas. C'est ça. Le spécial, le, c'est la quatrième. Le spécial, c'est la quatrième. Ouais. C'est l'avant-dernier, le spécial. Quand tu sélectionnes ton truc, en fait, c'est écrit sur la droite. On marave ça en attendant. Hein. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis TP. Hein? Pardon? Ok. Nous, on farme. Oui, on farme pendant ce temps, t'inquiète. Tu prends trop de temps à te décider, du coup, on fait mais des choses. Non, mais désolé, c'est pas clair. Oh, c'est pas clair, c'est marqué sur la droite. Non, mais c'est pas marqué, clair. Non, c'est pas marqué. C'est pour ça que sinon j'aurais su. Ben, nous c'est marqué, donc du coup, je sais pas quelle version tu veux. Tu peux tabasser les trucs qui ouais, font les healers. Les espèces d'assassins là. Ah, moi je préfère. Ouais, je préfère focus les healers, mais après c'est au choix. Ouais, ouais, non, mais des healers, non, ouais, ça ouais, ceux qui jettent des bobombes, ouais. C'est des healers. D'accord, j'avais pas fait gaffe à ça. Il dégage, toi. Et il pas pour rigoler. Genre, ils remettent un bon 75% HP au. Ouais, ils font pas semblant.
Oh, j'ai tanké le mec en m'en battant les couronnes complètement. Gaffe à l'araignée parce qu'elle fait pop des trucs. Ouais, et elle est ouais. plutôt violente dans mais ses attaques. Si tu tapes en AOE, c'est pas trop gênant, tu vois. Bah pareil, j'ai le clip. Elle est pas loin, donc elle les pop pas sur place. Il y a un healer derrière elle là. Ah, il faudrait le clean avant. Là, au bout de la vague. J'arrive. Hop, voilà. Merci. Comme ça, on se débarrasse de eux. Ils prennent plus de dégâts dans ma zone. Hein. C'est vrai. Moi, ça va. Merci du rappel. Et elle explose à la fin, un petit peu de rester dedans, c'est cool aussi. Non. Ouais. Dégagez. Ouais, hop, on casse les œufs, on est bon. Alors, encore ça, une vague. C'est les œufs, tu me les casses. Hein. Non, mais. Ça, y'a pas de soucis. C'est les œufs. Aïe! Attends, je suis sur le healer. Merci. Ouais, faudrait qu'il décède. Ah, je me suis fait un travail. Ouais. J'ai hâte d'avoir un outil que je connais pas. F. Hop. Non, ouais, il y a beaucoup d'araignées. Ouais, on va cliner ça, voilà. Je sais pas si vous avez vu la roadmap, mais les ultimates supplémentaires de personnages sont prévus d'ailleurs pour avant cet été, je crois. Ouais, bientôt, il y a une roadmap. C'est bien, on m'a demandé sur le Discord, j'ai dit non, il n'y a pas de roadmap. Bon. Si, il y a une roadmap. Effectivement, qui a été publié. Donc cet été, on a le chapitre. Ouais, on a le chapitre supplémentaire cet été. On a avant un personnage supplémentaire et les. Juste avant l'été, on a un personnage supplémentaire et les ultimates supplémentaires pour les différents persos. Ça me rend très curieux tout ça. Chapitre 2, il arrive ce printemps là. Non, regardez le pauvre mob tout seul là-bas. Je me rappelle mal, mais je crois que c'est l'été, le chapitre 2. Je me suis dit qu'il fallait patienter un peu pour le chapitre. C'est pas la première très grosse mise à jour, c'est la suivante. Je sais plus. Il y en a plein qui s'en plaignent qu'il n'y ait qu'un seul chapitre. Moi je trouve le jeu tellement propre à côté, j'ai vu, franchement. J'ai vu Reddit là tout à l'heure justement où tout le monde disait ouais ça vaut pas le coup, etc. Bon c'est vrai que c'est très pauvre pour un Early Access, mais c'est le tout début d'un Early Access quoi, détendez-vous. Ah, ouais c'est ça. Et puis que, tu peux quand même te le faire à 9 niveaux de difficulté, à 4, avec 4 potes, enfin... 9 niveaux de difficulté. Oui, il y a 9 niveaux de difficulté actuellement. Là, on est au 0. On va faire le vers la droite Ouais, attendez, je sélectionne juste mon truc. Paf, voilà. Bon, c'est bien parce que c'est vous, hein. Je prends de quoi il est parce que sinon j'avais de quoi doubler mon pouvoir qui est droite, déjà légendaire. Allez, mais allez, bon. Hein. Parce qu'il paraît, je joue support donc je vais arrêter de prendre des skills de cac et je vais prendre un support. C'est une taille de support. Hein. Ah, si vous aussi, pas, vous jouez moine cac. Exactement. Le fameux support. Avec le micro pour accord. Exactement. C'est un sacré délire ça. C'est une base, non? Ah oui, le nécrobomber, ouais. L'élème double dragon, tout ça. Le seul qui a besoin d'être soigné, c'est Yatik en soi, hein, c'est lui qui crève depuis tout à l'heure. Il y avait les meilleurs buts dans le jeu. Oui, mais je le fais pour. Voilà. Pour le des très bonnes excuses. Hop. Ah, je te demande pas de les respecter. Tu oublies de lever ton shield en fait. Ah non, je me suis fait grave. Je vois pas les attaques venir. Aïe, je vais prendre cher. Hop, bombe. Ok, arrêtez, je vais focus le healer, je suis un assassin ça, après ça tout, suffit, je vais faire suffit. Mon boulot. Voilà, le healer est tombé, ça déjà c'est fait. J'essaie de vous mettre du bouclier, je sais pas trop comment ça marche, si c'est bien ou quoi. Je me rends pas vraiment compte de ce que ça fait pour être honnête. Je suis allé dans la backlane, en vrai. J'ai pas dedans. J'arrête pas de grave. Ah non, j'ai ta saoute. Non, t'as dash dedans. Okay, attention aux zones et aux grappes du gros cochon là. Et c'est vraiment pas pour rigoler. Non, allez, non, j'en ai pris une, j'étais full life. Je rigole pas des masses. Ouais, hein. Il picote, monsieur. Ah, j'aime pas mon pouvoir de jour là. Hop. Et ton tir de jour ou ton. Le pouvoir, c'est un vieux cône tout pourri. Ah oui. Ah, il est moins bien que celui de nuit, effectivement. Ouais, parce concentré en une seule lane. Il est moins bien, ça dépend du type d'ennemi, mais souvent il est moins bien. Bah, sur un gros ennemi, si t'arrives à te mettre au cac, c'est fort, du coup. Ouais, voilà, mais sinon, j'avoue que. Ah non! Mais oui, c'est eux qui m'ont au cac là, c'est vrai. Non, ils m'ont route au score. Hop, et beau bombe! Baisse de défense! Brrr, c'est bon, de les taper! Bon, j'ai bourré, hein. Baisse de défense, j'ai bourré. Ouais, moi j'ai vu là où eux, et je me suis éloigné surtout. Attendez, je vais prendre le heal pour tout le monde là. Voilà. Ah, bah non, mais je peux pas s'il y en a deux endroits. Mon bouclier c'est dans un seul sens. Fais en sorte de pas c'est être pas mal ton shield hein, en vrai. Je sais pas de combien ça nous sauve, mais depuis tout à l'heure, je pense que on économise beaucoup de PV avec ce truc. J'ai bien l'impression. De qui? De 1
ton chien à pas... Mélusine. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, justement, j'étais en train de penser, c'est un peu... Ready? C'est un peu dommage, c'est le genre de truc qu'on se rend pas compte, en fait. On n'a pas la clé, je suis bête. Le truc qui est très fort avec Beowulf, c'est quand tu prends le shield qui dash. Du coup, tu peux dash dans les skill shots et tout ça, ça les enlève. Ah! Très fort contre le boss, du coup. Ah ouais, attendez, je vais calmer le healer d'abord dans le clé. Prenez en anti horaire, vous prenez aucun skill shot, mais... Ah, une clé, là. J'ai pour le premier clé. Boss, faut être un peu mobile et avoir de la régène, surtout. Après... Ah, t'as la clé? Nickel, on va pouvoir y aller. On fera peut-être le coffre avant, coup, histoire d'avoir le... Donc elle l'a un peu protégée, par contre, la clé, tu vois. Ouais, effectivement, il y a un peu de monde. Mais je suis avec toi, tiens, inquiète. On va calmer le mec derrière, déjà. Ah, il m'aggrab à l'autre bout de la planète. Aïe, aïe, aïe. Dégagez, boum. Dégagez. Et du moins là où je suis là. L'huile. Les enfants, j'ai un problème. Bah, c'est un problème. Ouais, t'es parti tout seul. Ouais, parti tout seul. J'ai cru que c'était le bon endroit, mais je me suis planté. Bah, débrouille-toi. Oh, bah, pas de problème, je vais faire tout le groupe. Hein. Hop. On esquive. On peut le faire. Non, je vous laisse dealer. Je vais faire tout le groupe, il arrive, il est moins de life. Ouais, putain, il nous les a poules dessus, ouais. Hey, remarque, c'est une façon de faire le groupe. Tu les poules à tes mates oui. Clean le groupe. Non, mais c'est sûr. Bah il l'a fait le groupe. Hop. Après c'est de la banshee, ça se fait pas trop mal. Hein. Oui, dégagez, laissez-moi ramasser. Bah, surtout avec Beowulf, suffit d'être en face. Eh, c'est ma clé. Ah d'accord, donne la clé. Coffre. Ouah. Il a pris la clé, bon bah t'auras plus de bouclier. Voilà. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est ma clé. Par contre, ouais, quand on parlait, le bouclier c'est bien, mais le seul truc, c'est que j'arrive pas à. Bah, on peut pas vraiment se rendre compte de combien ça heal, combien ça protège ou pas, quoi, à quel point c'est bien. Pour faire une charge ouais, spéciale. Ça serait bien d'avoir des stats à la fin au moins pour pouvoir avoir ce genre ouais, de. Ouais, mais c'est dommage pour le support, hein. Si le but du truc c'est justement que tu prennes pas, bah c'est difficile de se rendre compte que tu prends pas. Mmh, exactement. Il y a des charges, il y a des stats à la fin. Ouais, je sais pas à quel point elles sont bien faites, mais. Trompé. Ouh là 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 là, il y a quand même du monde. N'ayant jamais joué avec le bouclier, du coup, on verra. Aïe 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 quand même. Oui, est-ce qu'ils vont un minimum. Boum, prenez cher. Ouais, prenez cher. Par contre, ils sont très très nombreux quand même. À l'aide. Bah oui, ils sont très très nombreux quand même. Aux portes de la mort, il me reste 15 secondes. Je vais essayer de te raise. Mais je sais pas où t'es non plus. Ah, t'es là-bas? Moi, je suis parti sur la droite, mais j'ai pas le petit du monde! Bah, je suis un tank, faut me suivre, hein! Non! Bah, on a un peu de monde derrière nous, sans vouloir dire! Dégagez! Te suivre, c'était pas très très évident, là, sur le coup! En fait, j'ai vu qu'il y avait une fontaine, je me suis dit que ce serait. Mais putain, mais. Je vais calmer le healer d'abord, je l'avais pas vu. Y'a un truc qui est low life, là. Ouais, dessus, mais bon, moi, mes dégâts, c'est pas ça, quoi. Toc. Ok, on a clean. Ok, level up. Bombe d'eau, alors ouais, Lucky, je la connais pas. Mélodie déchaînée. Je vous attends. Parce qu'il paraît, je fais des bulles et je suis. On va à la clé, hein. On remonte à la clé. Ah oui, la clé. C'est où la clé? Là, là où je suis. Le gros crâne rouge avec. Et voilà, voilà, l'ulti claqué dans le gaz, voilà, bravo. C'était pour essayer, il fallait essayer. Bon jeu. Bon jeu, voilà. On voit la clé. Qui c'est qui a la clé? Ah! Bonjour Billy! Prends cher, à la bouffe! Ah ouais, prends cher, mais elle fait la même chose! Mais... Alors, elle, ce qui est horrible, c'est qu'elle a un monceau de PV, je trouve. Genre, elle est pas dure à faire, mais juste, mais qu'est-ce que c'est long! Si moi je peux la debuff, ça va, mais qu'elle arrête de lâche! Parce que regardez ce qu'on lui met, quoi! Enfin, genre. Elle est derrière maintenant, hop! Ah bah voilà! Bah regardez, effectivement! On a vu, hop! Ah! Ah là là, elle prend cher, elle a pu s'échapper. Elle fait même pas vraiment de dégâts. Hein. Non, non, c'est juste un tank, je trouve. Allez, reviens. Oui, bon, tu fais pop des copines, ok, ça va. Ah oui, c'est moins simple avec les copines, ok. Ah, ah, hop les. Ça failli être la moitié là, par contre. Je me suis mal positionné. Une des raisons qui fait qu'il faut pas trop se séparer non plus, c'est que ça concentre les skill shots dans la même direction. Ah. Ce qui peut aussi te faciliter la vie en fait, du coup. Ouais. Ça dépend un peu des adversaires aussi parce que parfois il faut pas rester trop paqué non plus. Oui, mais... oui, oui. Mais Hop, fufu. Même direction globale en fait, c'est. Oh les dégâts! Hop, allez!
Alors Mélusine, c'est un support, c'est un support. Ah, ça fait mal, non, Mélusine. Je pense qu'il met des sacrées tartes, hein. C'est une tourelle pour moi, Mélusine. Hein. C'est vraiment une tourelle. Non, c'est bon. Dodge. Mange. Ah, ça c'est parfait. Nickel, très bon timing. Voilà. Ah, j'ai mis mon critique dans le vide. Voilà, c'est mieux comme ça. Dash. Par contre, en fait, quand tu joues pas build rat, les rats servent pas à grand chose. Non. Et c'est ce que, ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ce que ouais, je reproche au Piper. Moi, vraiment. Et pour un pet master, il est pas très pet master, quoi. Bah ouais, parfois. Ah merde, que c'était maudit. Ah. Attends, double le montant. Tu perds tous les fragments de rêve aux portes de la mort. Oh là là, ça c'est horrible. Ah, par contre, vas-y, l'armure transformée en dégâts, c'est pas pour moi parce que là je vais devoir tanker un peu. Les armes de 100%. Plus aucun effet. Allez hop. Et le pouvoir. Bah, je vais prendre le pouvoir qui fait plus l'attaque, mal. L'attaque, c'est l'attaque de base, je suppose. Voilà. Oui. Ouais. Ouais, ça va. Bien, un petit boost, un petit boost de 100% des dégâts sur mon légendaire que j'envoie déjà deux fois grâce pas au skill. Pas énorme ça va de temps, je propose qu'on se dirige vers le cristal qui est tout à gauche et éventuellement pour ceux qui veulent l'acheter, de passer par la maison. On peut prendre un TP. Ouais. Yes. Et passer à la maison pour ceux qui veulent acheter, à la... enfin au marchand. Ouais, je vais voir la fontaine parce que ça augmente aussi les PV max donc. Aussi. Effectivement. Ouais, sauf qu'il y a 12 amis devant et tu veux... non. 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 Alors, un minimum pour acheter ou ce genre de truc. Après, faut pas non plus. Merde, j'ai pas assez de sous. Bon bah. Bon. Bah, direction. Pour pas de sous, c'est 130 moi. Et j'ai acheté un truc ouais, à la j'ai dû en dépenser. Je pense que je vais augmenter encore mon cleave, voilà. Moi j'ai trouvé un truc à 200 donc je l'ai claqué. 230 mais tout coûte 200 en fait. Oh, je peux pas augmenter mon légendaire. Oh. Oh. Ouais, ouais. Ça coûte cher hein, au bout d'un moment. Ouais. Mais non, mais je peux pas en fait. C'est... Il est juste high level, je peux pas. Du coup, là vous êtes à la fontaine. Ah, t'es déjà max. Parce que non, j'ai tout augmenté moi, j'ai... en fait. Je suis juste passé par la fontaine aussi pour récupérer les HP max. Ah, d'accord. Donc quand on augmente, il passe de. C'est pas juste un buff, c'est il passe de rare à. Ouais. Ah oui, ils passent mais carrément dans... C'est pas du genre, ils sont communs, tu peux les augmenter, mais ils restent communs, et... ok, d'accord. Ouais, c'est carrément... C'est pas Hades de ce côté-là, ok, très bien. Non, c'est pas Hades de ce côté-là, ouais. Exactement. Et c'est pas si mal foutu, d'ailleurs. Oui, non, 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 c'est bien, c'est différent. Hop. Comme on est par l'escalier, là. Forcément, en fait, c'est que plus tu joues un perso, plus t'as de build potentiel, mais du coup, plus c'est random, quoi. Alors, oui, bah, c'est le même problème que dans Slay the Spire. Oui et non. C'est-à-dire que plus c'est random, mais en fait, plus t'as, comme t'as plus d'options de build, c'est plus à toi de t'adapter aux parties, aux builds qui peuvent sortir. Oui, oui. Mais je suis d'accord, il y a des moments, c'est le problème de Slay the Spire, quand t'as tout débloqué sur un personnage, pour avoir énormément joué au jeu. Je compare juste parce que c'est comparable, parce qu'après c'est pas le même mode de jeu, mais... Et bah, honnêtement, c'est plus de l'adaptation à ce qui sort. Donc, c'est intéressant aussi. Oui. Enfin, c'est différent quoi. Attendez, je suis avec vous. Non, après, on la clean le truc qui est en haut. Oui, on la clean le gros truc qui était après, en haut. Après, tout dépend comment leur jeu est codé quoi. Faut qu'il y ait un algorithme derrière qui fait que plus t'as X type, plus t'as des chances que X apparaisse. Genre Slay the Spire, il faudrait un truc du genre le jeu passe en revue tes cartes et s'il y a 20 fois barrière dessus et seulement 3 fois force, et ben il va plus te proposer des cartes de barrière que de force. Parce que logiquement, ton build le rend plus en interaction. C'est quoi, le truc de Ken, là, qui est juste en dessous, là. Bah, c'est ce que j'aimerais bien qu'on aille faire, mais je crois pas qu'on ait le temps. On peut quand même aller essayer de le... Ça se tente, au pire, on sera TP, de toute façon. Ouais, de toute façon. Bah, disons que j'aurais... Je me demande si c'était pas mal de prendre les HP, la vitamine bonus. On peut y aller si t'en manques, hein. Aussi. Ah, celle qui est tout en haut à droite. Ouais, tout en haut. Tout en haut, on aurait pu, effectivement. On n'a pas vraiment le temps non plus, mais bon. Passer un level par contre. Ah bah non, on est max, je suis con. On est max 6 P pour ce truc là. Non bah en vrai. En vrai on est pas si mal hein. Oh, sérieux, putain, il y a du monde. Ah. Oui. Il fait venir dessus. Hop. Attends, je me recule un peu, je reste derrière Beowulf hein. Parce qu'en fait on farme des meubles mais ça ne sert à rien en fait. Non, le non. Maintenant il faudrait farmer que pour aller chercher des perks. Le farm pour le farm n'a pas d'intérêt. Bah. Vous m'avez... Hop. On était à deux pas de la quête, mais on n'a pas le temps de la finir. Non, on va passer. Pareil, je vais passer au marchand surtout moi. Je tiens à dire qu'il y a qu'une seule personne qui a claqué une plume et qui a été raise dans la partie. Hein. Oui, bah ça va, je savais pas. On dira pas qui ça. Faut que j'achète plume et qui a été raise par les alliés. En plus.
Il y a quelqu'un qui est mort. Voilà. Pouf. J'ai eu le temps d'acheter. Bah, c'est un peu Serax. On est large encore. On est large, large. Ouais, je dirais pas jusqu'à large. Là, on a 30 secondes quoi. Bah, je vais chercher le max HP qui est à droite, moi. Ouais, si on peut. Ouais. Si, je sais pas si j'ai le temps, mais. J'arrive. Essaye d'aller chercher celui tout en haut. Tout en haut. Ouais, si t'as le temps, peut-être. Oh, je sais pas. C'est chaud. Allez, allez, allez. Faut pas qu'il y ait des ennemis sur la route, quoi. Voilà. J'ai récupéré le max sylph. Bon, je crois qu'on est bon là. Je l'ai eu. Ouais. Comme un voleur. Maintenant, le tout, c'est de pas prendre de dégâts. Je sais pas pourquoi. Je tente la doublette. Il y avait pas d'intérêt, hein. Voilà. Ah bah non. Y a pas d'intérêt à prendre ce groupe d'ennemis. Bon, là, du coup. Ouais. On va jouer à tourner autour, hein. C'est-à-dire que on tourne, on tue les tentacules, on tourne, on tue les tentacules. Chacun sa tentacule ou Ah non, non, t'es non. Obligé de ou alors donc, la mienne, elle est pas prête de tomber, quoi. Pardon, on parle de. Excusez-moi. Toujours une tentacule là. Ouais, ouais, non, enfin, bref. J'aurais bien aimé être le petit loup. Quoi, tentacule, si t'attrape, voilà. Si elle t'attrape, Hop. Ah, je suis en train ouais, de me transformer. Ouais, il se prend un peu cher. C'est normal. Je suis en train de me transformer. Ouais, ouais. En fait, j'ai vu la zone de Beowulf là. Et de main, etc. Sur une grosse créature, c'est monstrueux. Ouais. Mais c'est tellement bien avec Mélusine, genre j'ai pas eu besoin de me déplacer. J'ai régène des HP à la place de. Je sais, je sais. Mais c'est tellement bien de jouer avec ce perso. Ouais, j'avoue, c'est quali, hein. Je me rends pas vraiment compte là, vu que moi je suis le support et pas celui qui est supporté, mais. Ah, mais alors vraiment, quand je viens de prendre un coup de tentacule, ma vie elle a pas baissé quoi. Ouais, c'est. Donc, bah, pareil, ouais, c'est bien. Je reste en face et j'attends. Du coup. Vous voyez que c'est plus confort pour jouer, hein. Yali. Allez. Ah là, je t'ai crié dessus très très fort et ça t'a blessé. Ah, ça c'est la stratégie de Frozen Geon, ça. La barbaresse qui crie tellement fort qu'elle assomme les gens. Ah bon, on va peut-être cleaner Tentacule quand même. Parce que là, on n'arrivera pas à la finir. On bourre le mob là. Je suis pas sûr qu'on y arrive à le bourrer le mob là. Je bourre le boss. M'en d'accord. Est-ce que vous voulez. Je m'en fous. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui. Ah bah oui. Reste là-bas, reste là-bas, c'est J'arrive. Tu prenais les skishots pour moi, c'est tranquille. J'arrive. Hop, t'es debout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Reprenez les boubous. J'ai compris. Mais quoi, je suis pas mort là? Ah bah si, si. Je suis mort. Bah vu que t'es au sol et pas vivant, je pense que t'es mort. Ah, on se fait interrompre quand on se prend un coup. Oui, ça par contre c'est le problème. Surtout dans les AOE de boss où il y en a 15 000. Je vais mourir. Hop. Ah, tu m'as sauvé la vie. Hop, j'ai régène. Nickel. Et merde. Allez, on clean nuit là. Allez, c'est fini. Ouais, c'était bon. Voilà. Voilà, GG. GG. Maîtrisé et tout. GG. Je suis pas mort. C'est pas vrai. Ah, mon jeu a crash, je crois. Toc. Ah, bah bien. Pile sur le next. Ton jeu a dit allez, t'es arrivé à la fin du chapitre. Je me ferme. Allez, t'as vu ce qu'il y avait à boire, j'ai pas de contenu pour la suite, casse-toi. Alors, dans les statistiques, on n'a pas ton montant de shield demi, c'est ça qui est dommage. Tu vois, je regardais là. C'est dommage, ouais. Du coup, parce qu'on voit tes dégâts, les damage taken. On aussi. Non, mais en fait, Yatik a le TF4, en fait, c'est juste pour pas qu'on voit ses stats à la fin. Non, bah oui, bien sûr. Mort 2, il s'est dit, ouais, non. Le corbeau utilisé, hein. Oui, il y a 0-0-0 par les autres. Mais non, mais du coup, j'ai rien dégagé, je suis déçu. Il y a pas marqué nombre de fois où j'ai léché le parquet aussi, hein. J'espère que cette petite partie vous a plu, on reviendra
très vite, bien sûr, pour vous proposer la run en Nightmare 1, toujours avec la même équipe. J'espère également que vous avez apprécié découvrir du coup Ravenswatch sous sa version coopérative 4 joueurs. Je pense que c'est là un des meilleurs formats. Le solo est peut-être pas là où le jeu se démarque le plus, bien qu'il reste très agréable, mais alors clairement, dès qu'on commence à être 2, 3, voire 4 joueurs, le jeu propose vraiment un style inimitable et on a vraiment envie d'y retourner très facilement. Donc super sympa ce petit feat avec Sevoloon qu'on a hâte de retrouver pour d'autres vidéos et notamment pour une autre petite partie de Ravenswatch. A très vite sur Akulon TV, n'hésitez pas à aller regarder et suivre sa chaîne également qui sera en description bien sûr de la vidéo si vous voulez avoir son point de vue durant ces parties. Ciao ciao!